Coucou! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo astuce pochoir, encore une fois. Et là, ça va être la numéro 4. On va prendre pour ce faire donc un pochoir de chez TCW, pardon. TCW, c'est celui-ci. Voilà, j'ai préparé un fond sur du papier aquarelle, un fond un petit peu dégradé avec des Distress Oxide. Celle-ci, celle-ci, hop là. Et en plus foncé, celle-ci. Voilà. Je vais mettre mon pochoir. Je vais mettre ma carte comme ça. Et je vais mettre mon pochoir dessus. À peu près centré. J'espère que c'est à peu près droit. Je vais quand même mettre un tout petit peu de scotch des deux côtés. Voilà. Et maintenant. Je vais utiliser ceci. Donc, c'est de l'eau de Javel. On a déjà fait ensemble une technique à l'eau de Javel. C'était pour la décoloration donc d'un tampon qui était fait sur un fond à l'encre, de façon à pouvoir coloriser le tampon, comme s'il venait d'être tamponné, qu'il avait un papier blanc. Donc, on avait décoloré juste le tampon. Là, on va le faire avec un pochoir. Donc, on va faire la forme de ce pochoir sur le fond qui a été fait. Alors, vous prenez donc de l'eau de Javel, vous en mettez sur un petit ou un coton ou un doigt mousse ou une petite lingette, enfin pas une lingette, mais une petite mousse démaquillante. Surtout, il ne faut pas que ce soit détrempé, il faut que ce soit vraiment. Vous voyez, moi je l'ai mis avant de démarrer la vidéo, j'en ai pas mis beaucoup, j'ai juste mis de façon à ce que. À ce que ça imprègne un petit peu, mais il y en a vraiment, je dirais qu'il y en a 4-5 gouttes, quoi, c'est tout. Donc après, une fois que c'est bien dans votre petite éponge, vous avez juste à venir tapoter sur votre pochoir. Donc à tous les endroits où vous avez du plastique découpé, en fait, hein, toute la partie pochoir. Alors, vous pouvez aller jusqu'au blanc ou vous pouvez arrêter avant, hein, c'est comme vous voulez. Si vous voulez arrêter la progression de l'eau de Javel, il faut par contre sécher rapidement. Voilà, il ne faut pas appuyer, ça ne sert à rien. Il faut vraiment venir tapoter tout doucement parce que si vous appuyez trop, votre éponge va faire couler de l'eau de Javel qui va venir sous votre pochoir. Et là, ça sera raté, bien sûr. Voilà. Donc, même si c'est pas décoloré partout, c'est pas grave. C'est vraiment pour faire un petit fond. Donc, voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc, je vais sécher tout de suite. Vous voyez qu'en séchant, ça continue à blanchir. Voilà. Donc, voilà qui est fait. Alors, j'ai mis aussi dans un petit flacon, un petit vapot, j'ai mis de l'eau de Javel et je voudrais essayer avec vous, voir ce que ça donne. Je vais cacher ça. Je vais prendre une chute de papier, mettre ça comme ça à peu près et je vais essayer de vaporiser dans le coin. Alors, faire attention de ne pas vous tâcher ça, parce que ça, l'eau de Javel, ça pardonne pas, tout le monde le sait bien. Je vais en mettre, je me recule. Okay. Pour voir ce que ça donne, ça fonctionne tout de suite. Évidemment, on a la démarcation de ma feuille, c'est pas top. Alors, je vais en remettre un petit coup. Alors là, ça fait trop gros. Voilà. Juste un voile, je vais sécher. Voyez? Alors j'ai juste pchité, mais tout de suite ça se. Voilà, ça s'étale. Alors, je vais reprendre mon pochoir, je vais l'essuyer un peu. Et je vais venir le repositionner. Puisqu'on essaye, on essaye. Hein. Je vais essayer de me remettre à peu près bien.
Je vais prendre ceci. Peut-être un peu foncé. Je vais prendre la rose intermédiaire. La Warm Lipstick. Je vais prendre un petit... une petite brosse qui fait partie des trois brosses qu'on achète chez Action. Et je vais venir repasser de la couleur où c'est quand même beaucoup trop blanc à mon goût. On va bien voir ce que ça donne. Ça va nous faire quelque chose comme ça. C'est assez sympa, ça inverse en fait les deux. Alors par contre ici, il faudrait que je remette un petit quelque chose parce que c'est un petit peu triste. Donc je vais mettre un morceau du papillon. Pas tout entier, juste un morceau. On peut s'amuser comme ça, c'est sympa. C'est la première fois que je fais ça comme ça, mais ça me plaît bien. Voilà. Vous voyez ? Voilà. Donc ça fait un fond relativement sympa avec des négatifs et des positifs. J'aime beaucoup. Je n'avais pas encore essayé. J'ai essayé ça avec vous et ça me plaît bien. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, il suffit d'en mettre vraiment très très peu pour que ça reblanchisse. La Distress Oxyde réagit très très bien à l'eau de Javel. Donc voilà. Voilà qui est fait. Il ne restera plus qu'à finir cette petite carte. Je ne sais pas encore avec quoi. Je la finirai et je vous la mettrai à la fin de la vidéo pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Voilà, gros gros bisous, à bientôt, au revoir.